Aujourd'hui, je vais présenter un paradigme de programmation qui est un peu oublié, qui apparaît en 1984 et qui n'a pas mordu. Mais moi, j'ai trouvé cool, donc je vous fais un petit talk dessus. Alors, c'est le mec qui a lancé l'idée, s'appelle Donald Knuth. Je le dis certainement très mal, mais j'espère qu'il me pardonnera. C'est un mec assez costaud dans le monde du logiciel, ce qu'il a fait Tech, qui est la base de la Tech, Metafont. Il a fait une encyclopédie qui s'appelle The Art of Computer Programming, qui est un gros pavé, enfin, qui a quatre gros pavés. 6, d'accord, ok. En tout cas, c'est quelqu'un, en plus il a fait des contributions, des théorèmes de maths, de l'algorithmique, etc. C'est quelqu'un d'assez costaud, mais bon, il a eu cette idée-là, que j'ai trouvé cool. Et le concept, en fait, il s'est dit, c'était à une époque où on commençait à avoir digéré la programmation structurée, les while à la place des goto, par exemple. Et il s'est dit qu'il faut qu'on s'éloigne encore plus de la machine et qu'on se rapproche du langage naturel. Et donc, le concept de Literate Programming, ou programmation illettrée en français, c'est d'écrire un texte en langage naturel, en anglais, en français, avec au milieu mélangé des petits morceaux de code exécutables. Et donc, avec la même source, là, vous avez le petit schéma qui vient du livre, avec la même source de programme, vous avez un programme exécutable qui est généré et une documentation sous la forme d'un PDF, par exemple. Alors, je vais donner des exemples. Là, j'ai deux exemples. L'exemple de gauche, ça vient du livre Literate Programming, donc c'est moi qui l'ai scanné. Et on voit qu'en fait, c'est un texte écrit par Donald Knuth avec section 12, section 13. Là, on n'a pas encore fait tel truc, donc il faut qu'on le fasse, etc. Mais on voit qu'entre deux, il y a des repeat untied, il y a des variables, il y a des incrémentations, etc. Là, on ne comprend pas hyper bien ce qui se passe, en tout cas pas sans regarder 10 minutes le contenu. Donc l'exemple de Wikipédia à droite, et un petit peu plus, il y a moins de choses, donc c'est plus facile à lire. On voit qu'il y a un bout de texte qui explique ce que fait le programme, qu'il y a une macro qui est créée, et une macro qui est utilisée. Alors les macros, c'est ce qui permet d'inclure du code exécutable, du code classique, dans un programme Literate. Donc là, on voit par exemple cette macro ouvrir le fichier, qui fait le code C qui est là, et l'appel remplir le tampon, etc., c'est l'appel d'une macro. Ça inclut le code qui a été défini avant dans cette macro-là. Et les macros, on peut les modifier. C'est-à-dire, si quand vous écrivez votre programme, dans le flow du texte, vous dites « Maintenant, on sait qu'on doit gérer les erreurs à l'ouverture de fichiers », vous pouvez réouvrir la macro et rajouter la gestion des erreurs, par exemple. Et du coup, c'est l'ordre dans lequel vous écrivez votre programme, ce n'est pas celui qui est imposé par un compilateur, les fonctions, la syntaxe du langage, c'est l'ordre du texte qui est important. Alors, comme toutes les démarches, tout ce qui existe dans le monde, il y a du bien et du pas bien. Alors, ce qui est bien, ce qui est l'intérêt de la démarche, c'est que votre document, c'est l'artefact cognitif dans lequel vous posez vos idées. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas. Et pour écrire un texte, c'est l'explication, donc il faut comprendre. On peut faire du code sans trop comprendre ce qu'on fait. Ce n'est pas conseillé, mais ça existe. Écrire un texte Literate Programming, typiquement, pas possible. Donc vous devez forcément penser, comprendre ce que vous faites et toutes les implications. Et il y a aussi le fait qu'en expliquant, souvent on se dit « Ah oui, mais il y a ce cas-là, j'ai pas pensé », ou bien « Ah, il faudrait peut-être que je fasse comme ça plutôt ». Et du coup, cet avantage de réfléchir, des réflexions de qualité plus supérieures en écrivant du texte. C'est le principe, il y a aussi de la documentation à jour, en tout cas, qui est là avec le code, donc il y a plus de chances d'être à jour. Pourquoi j'ai trouvé ça cool? Parce que on a un côté, moi, je pense que la programmation c'est un côté un petit peu créatif, artisanal, un petit peu ingénierie, etc. Et que cette approche-là, elle a ce côté cool que j'aime bien. Du coup, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que je suis fan. Et vous avez sans doute deviné quand je parlais du concept, mais c'est verbeux, parce qu'il y a le texte plus le code exécutable. Alors, souvent, on a le code avec quelques commentaires et c'est tout. Un reproche qu'on a fait à la programmation lettrée, pas moi, hein, mais que les gens reprochent souvent à ce paradigme-là, c'est qu'il faut être à la fois bon en technique, en code, et en bon dans la langue maternelle ou la langue du texte. C'est-à-dire, il faut maîtriser les deux. Et du coup, c'est pas forcément le cas de tous les profils. Refactoring, alors j'ai vu la critique de refactoring, je l'ai vu passer sur Internet, mais je comprends ce qu'ils veulent dire, c'est que bon, renommer une macro, a priori, ça paraît pas trop compliqué. Par contre, si on veut déplacer des morceaux de programme, par exemple déplacer des choses dans le texte, on ne voit pas trop comment ça marche, comment on peut faire. Mais après, c'est 1984, donc c'est pas du tout... c'est comme il y a plus de 30 ans. C'est pas du tout comme aujourd'hui, ils n'avaient pas du tout la même façon de faire des programmes que maintenant. Et bien sûr, jamais vous verrez ça dans un projet de nos jours, parce que personne ne fait ça, quoi. Donc faut pas arriver à dire « Tiens, je fais du Literate Programming, maintenant, ça marchera pas ». Alors, j'ai lu l'article sur Literate Programming, et je me suis dit « Oh, c'est trop cool !» Et je me suis dit « Comment je pourrais faire pour récupérer les avantages, c'est-à-dire le côté « Je réfléchis bien, je pose mes idées, etc. » mais dans ma vie de tous les jours. Alors, j'ai fait une petite expérience.
Alors ça, c'est du Java. Et en gros, donc là vous voyez que j'ai mis plein de commentaires, beaucoup plus que ce qu'il y aurait normalement dans un programme Java classique. Avec une partie, j'explique le contexte fonctionnel, politique. Là, on a décidé d'inclure telle info parce qu'il y a telle personne qui a demandé ça, etc. Et aussi, des commentaires qui disent, maintenant, je vais commencer par récupérer. Alors là, ce que ça fait, c'est je récupère auprès d'un service une liste de contenus. Ensuite, je filtre les contenus qui ont la date de validité que j'aime bien, et je récupère avec leur identifiant le détail de chaque contenu. Et ça explique, donc on explique, le texte explique ce que fait le code, et le code le fait. Et les deux livrables qu'on aurait eu avec Literate Programming, alors normalement c'est directement le code, enfin l'exécutable qui est généré, c'est pas le code comme là, mais bon, vous m'avez compris. Donc le texte pur et le code. Alors c'est un peu verbeux, mais... peut-être plutôt écrire et ensuite effacer ce qu'il y a dedans avec le code, parce que s'il est assez bien écrit, il doit être relativement explicite. Alors, je suis allé à un meet-up Software Craftsmanship, que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est vachement bien. C'est pas du tout comme ce que je suis en train de faire là, avec quelqu'un qui présente et la liste des talks est donnée d'avance. Je sais pas s'il y en a des gens qui connaissent le meet-up, non ? Où en fait, les gens arrivent avec des sujets, et le sujet est choisi, ensuite on fait des tables rondes où on discute du sujet. Et je proposais le sujet Literate Programming, il était choisi. Et les gens ont pensé à plein de trucs... Enfin, ça leur fait penser à plein de choses en fait, et c'est toutes les approches dans notre quotidien de développement où il y a du texte. Alors du coup, comme à chaque fois c'est quand même assez différent, je me suis dit, je vais vous faire une petite liste de ce à quoi on peut comparer, et qu'est-ce qu'il y a comme différence. Donc classiquement, les commentaires, comme dans ma petite expérience, commentaires de code. Alors en général, on en a peu. S'ils sont bons, ils expliquent bien le pourquoi un truc est fait, mais pas forcément quoi. Donc c'est différent de la programmation lettrée. Il n'y a pas de documentation générée, vous n'avez pas un PDF à la fin avec. Par contre, comme dans mon expérience, vous pouvez vous approcher de ce que c'est. Si vous en effacez une partie pour ne pas être en redondant, ça peut être intéressant. Puis aussi, effectivement, en général, on n'explique pas le comportement. On rajoute un petit dépôt de détails, mais on n'explique pas tout. Les messages de commit, alors, j'espère que vous faites des beaux messages de commit avec une petite ligne courte et un long paragraphe qui explique pourquoi vous faites un incrément et quel est le contexte. Sinon, vous ne donnez pas assez d'explications aux gens après vous pour qu'ils s'en sortent. C'est pas du tout, on s'approche très peu de la programmation lettrée, là c'est complètement fragmenté. Donc il y a un historique qui est assez accessible, mais il n'y a pas de documentation, c'est très fragmenté, et c'est a posteriori. Là, c'est ce qu'il y a. Alors, la documentation traditionnelle, genre vous avez un Confluence ou un autre type de wiki et vous écrivez, vous expliquez ce que fait le programme, avec, etc. Vous vous rapprochez, sauf que. En général, c'est écrit longtemps après le programme, et c'est complètement séparé. Du coup, si quelqu'un met à jour le programme, il ne met pas à jour la doc, et inversement. Donc, vous n'avez pas l'avantage d'avoir tout colocalisé. Par contre, en général, les outils sont quand même bien faits, et vous pouvez faire des liens, vous pouvez mettre des images, des schémas, etc. C'est quand même cool. Et oui, comme c'est fait après, vous n'avez pas l'avantage de réfléchir la réflexion de qualité. Souvent, Literate Programming, on le mélange avec la Java doc, la génération de documentation à partir du code. Alors, en fait, les docs comme ça, ça documente l'API, ça documente pas le comportement du programme ou le pourquoi, etc. Là, la doc de Equals in Your Case, elle documente le comportement de Equals in Your Case. Si vous n'utilisez pas Equals in Your Case, que vous utilisez un programme, ça ne vous intéresse pas en fait. Parce que là c'est la doc de l'API, c'est pas la doc de votre application. Alors, côté Software Craftsmanship, ils sont hyper fans de tout ce qui est en DD, tout ce qui est pratique de test, etc. Donc forcément, j'ai eu le TDD et les tests unitaires. Si vous écrivez les tests unitaires avec une description de chaque cas, vous avez la liste des cas, bien sûr, et vous avez potentiellement l'explication du comportement du programme. Genre dire, dans tel cas, on fait ça, et on le fait comme ça, on le fait de telle façon, dans vos commentaires. Alors, il n'y a pas une vraie documentation qui est générée, sauf si vous faites une doc, une Java doc des tests, l'équivalent dans votre langage préféré. Mais c'est pas très intéressant à lire. Vous récupérez la partie, je réfléchis à ce que je fais parce que j'ai posé du texte. Donc ça c'est intéressant. Et ça reste pareil du programme principal, c'est différent. Voilà. Une approche cousine, c'est le behavior-driven development. Alors, l'approche ne se résume pas au test Gherkin avec le formalisme, mais ça fait partie de l'approche. Là, vous n'avez plus du tout d'explication, à moins d'avoir des commentaires à côté bien sûr, vous n'avez plus du tout d'explication du comportement du programme, vous avez vraiment la liste des cas. C'est tout. Dans tel cas je fais ça, dans tel cas je fais ça. C'est pas du tout du langage naturel, parce que en général, si votre PO ou votre AMOA il vient et il vous dit je veux que, étant donné un bouton bleu, si on clique là et qu'on clique là, ça fait ça, il parle pas comme ça, les gens. Ils expliquent les choses de façon plus naturelle. Donc on est assez loin cette fois. Même si c'est une approche intéressante, je ne dénigre pas. Alors,
La programmation lettrée, ça n'a pas mordu. Les gens n'utilisent pas, en tout cas, personne que je connais ne l'a jamais utilisé. Mais je me suis amusé à me demander, mais si ça avait marché, qu'est-ce qu'on aurait ? On parlait tout à l'heure des points-virgules à la fin des lignes en JavaScript. Je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qu'on aurait comme guerre entre les gens dans la programmation lettrée ? Alors, il y a le cas de, est-ce qu'on parle en présent et participe passé, ou bien en passé simple et imparfait ? Enfin, la narration, c'est important, c'est pas la chose. Et si les devs ont différents goûts, entre les modules, ben, il n'y aurait pas les mêmes conventions, ça serait horrible. Imaginez, la concordance des temps ne serait pas respectée, quoi, ça serait horrible. Ou bien, il y a des gens qui disent, pour qui le programme, c'est une personne, et qui le programme, il dit, donne-moi le fichier, je vais le lire, et pour d'autres, il dit, ben, on lit le fichier, le programme, c'est une troisième personne, c'est une entité de Dieu. Et bien sûr, le langage, les gens ne le maîtrisent pas tous de la même façon, donc on pourrait très bien avoir des gens qui mélangent les infinitifs et les participes passés, par exemple, et forcément, ça ferait des conflits, les code review, ça passerait pas du tout. Et plus sérieusement, si ça avait mordu, on pourrait imaginer que, contrairement aux outils de l'époque de Donald Knuth, on n'aurait pas que du texte, mais aussi des schémas, des liens, peut-être même des variables qui parlent, genre je veux analyser ce flux, et l'exception qui dit mais non, tu pourras pas l'analyser parce que je suis là. Et du coup, ça pourrait être rigolo à lire des programmes comme ça, plutôt que d'avoir que du texte inventé. Voilà, donc j'espère que je vous ai inspiré avec mon paradigme oublié que je vous ressors pour vous donner des idées, ou je sais pas, enfin, voilà. Et donc, je vous laisse avec quelques liens de bibliographie. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, et je remercie les Human Talks de m'avoir accueilli, et si vous avez des questions, ben, je suis là. La question, c'est plus une remarque qu'une question, c'est qu'en fait, il existe un truc qui s'appelle Jupyter dans le monde de data science et machine learning, etc. Et effectivement, c'est totalement vrai, parce que j'ai utilisé Jupyter et j'ai pas fait le rapprochement, je me suis pas dit, en fait, c'est exactement ça. Donc, merci, j'avais pas fait le lien, et en fait, effectivement, Jupyter, c'est de la programmation lettrée, avec des bouts de code Python entourés de textes et d'explications. Donc, et ça marche très bien. Et ça marche très bien, je confirme, oui. On peut publier un blog directement avec, enfin, c'est... Oui, effectivement. J'ai utilisé, mais j'ai pas fait le lien. Il y avait un an et demi entre deux, et du coup, j'ai pas fait le. C'est pas la même démarche. Donc, il y a bien du texte entre les deux, mais la programmation lettrée, vous avez vraiment le. Alors, je vais peut-être repasser sur les slides. Vous avez vraiment les deux qui sont mélangés. Voilà, vraiment le texte et le code sont vraiment mélangés au sein du même fichier, alors qu'en PDD, en général, vous avez pas déjà, c'est pas un texte descriptif, c'est vraiment un formalisme hyper. Formalisé, du coup. Et en général, il est pas avec le code de production, c'est un truc qui est à côté, donc c'est pas la même démarche. Le fait qu'on liste les cas et qu'on vérifie que ça fonctionne, c'est pas ça la démarche. Enfin, la démarche, c'est vraiment on mélange de texte et de code. Là, c'est pas un mélange. On peut y penser, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a une introduction de texte et un petit peu de... Mais du coup, il y a des différences qui sont que j'ai listées et qui sont quand même qui font que c'est pas le même concept exactement. C'est même pas du pseudocode, parce que là, ça explique pas l'algorithme, ça explique que dans tel cas, il doit se passer ça. La question, c'était est-ce qu'ils ont pensé à l'internationalisation avec le paradigme ? Alors, j'ai envie de dire probablement, parce qu'il y a plein de gens qui ont essayé de l'utiliser. J'ai regardé les différents outils, les liens, j'en ai pas vraiment testé, en tout cas pas loin. Mais il y a plein de gens qui sont amusés à produire des outils d'intérêt de programming, donc ça m'étonnerait beaucoup qu'il n'y en ait pas un qui ait eu un besoin d'internationalisation. Par contre, je saurais pas te dire comment ça fonctionne, etc.